Cette semaine, nous allons te demander quel était le sujet principal du Mahamar qui fut prononcé à Moscou. Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Il y a près de 100 ans, en Tavresh Pesahin 5687, le rabbi précédent se rendit à Moscou. Puisqu'on se trouvait quelques jours avant Purim Katan, le rabbi précédent fit savoir qu'en l'honneur de ce grand jour, il dira un Mahamar de Chassidut dans la choule de la ville. À cette époque-là, il était très dangereux d'enseigner la Torah et particulièrement à un public. La police secrète russe se trouvait de partout et à tout moment on pouvait se faire arrêter si on osait transgresser la loi du pays. En effet, la nouvelle se répandit rapidement chez tous les juifs de Moscou. Mais le gouvernement russe, qui apprit bien vite ce qu'il allait se passer, envoya aussitôt un messager pour mettre en garde le rabbi précédent sur le rassemblement qu'il prévoyait faire. En arrivant chez le rabbi précédent, le messager lui dit « Vous vous imaginez sans doute qu'il y aura une présence gouvernementale secrète dans la choule de Moscou lors de votre discours. Et bien comprenez que si vous aurez le malheur ne serait-ce que d'allusionner contre le gouvernement, ou bien d'encourager l'assemblée à observer la Torah et les mitzvot, vous serez disposé à de très lourdes sanctions. » Zwischen den Jiden, was ist eher gewesen, ein guter Freund, und dann angesagt, er soll wissen sein, als Forscher viel, er versteht das allein. Aber sie da eine Idee, Bruder, eine klare Idee, als wir uns sein, Meraglin, Spionen, was sie uns sein, beschaß er die Sorgen der Meimer. Ich habe gekommen zu der Rebbe, der Nossi gekommen in Schulen, die werden gepackt in Schulen mit allen Protein und gesagt, Maimer Chassidus. Le jour de Purim Katan arriva. Le rabbi précédent entra dans la choule pleine de bout en bout, s'assit à la place centrale qui lui était destinée, et d'une voix claire et prenante, il commença à réciter le Mahamar. Ce Mahamar expliquait essentiellement l'importance de l'étude de la Torah des enfants juifs. Il ramena l'exemple de Mordechai dans l'histoire de Purim, qui en risquant sa vie pour enseigner la Torah aux enfants juifs, il put surmonter avec le peuple juif toutes les difficultés et ainsi annuler les mauvais décrets qui pesaient sur le peuple juif. Lorsque les espions entendirent les paroles du rabbi précédent, ils allèrent immédiatement rapporter au gouvernement tout ce qu'ils avaient entendu. Et malheureusement, cela mena à l'emprisonnement du rabbi précédent, là où il dut supporter de très grandes souffrances. Nous pouvons voir de cette histoire à quel point était chère pour le rabbi précédent l'étude de la Torah des enfants. Il alla jusqu'à faire Messirut Nefesh, le don de soi, pour expliquer sa grande valeur. Sans prêter attention aux menaces du gouvernement, le rabbi précédent prit la parole en public et récita un Mahamar qui expliquait l'importance de l'étude de la Torah des enfants. Nous aussi, nous devons en prendre exemple à notre niveau, et étudier la Torah malgré les difficultés du Yetzer Hara. Et c'est par cela qu'on annulera tous les mauvais décrets, et qu'on amènera le Mashiach très bientôt. La question de cette semaine est, quel était le sujet principal du Mahamar qui fut prononcé à Moscou ? Dans la vidéo numéro 22, la question était « Par quel mérite le Mashiach viendra plus rapidement ?» La bonne réponse est « Par le mérite des femmes vertueuses de notre génération. » Le gagnant de cette semaine est Mordechai Simcha Nemni de Pierrefitte.
Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur morabi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire à Zushi Gourevitch de Lyon. Nous te souhaitons une année pleine de réussite, de Gashmiut et de Ufniut, que tu puisses être un soldat fier de Tzivat Hashem, en donnant beaucoup de Nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.